Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer avec l'Empire. Donc, hop, on s'était laissé, je suis en train d'assiéger le château de Drakenov. Les vampires sont aux abois, ils ont perdu leur dernière ville dans le nord, Zavatra, qui a été attaquée par les Ostland, enfin rasée par les Ostland, et qui en ont profité pour aussi reprendre le château Vanken qui m'appartenait à la base. Les Varks sont venus piller, les vampires sont venus s'en emparer, et le Ostland est venu régler l'affaire des deux côtés. Je vais te ramener là-haut. Pendant ce temps-là, à Norden, je suis en train de régler tous ces petits... je suis en train de surveiller cette ville. Je vais aller reprendre ces deux villes-là. J'ai poutré la... Alors Marienburg s'est rebellé contre moi, qui était un de mes vassaux. Et je leur ai ravagé la tête. D'un côté on a les... Princes du Frontalière et les Elfes-Siens qui sont en train de s'entretuer. Et tant mieux, ça les occupe. Ça les occupe bien comme il faut. Et les nains qui sont bientôt finis d'éradiquer les peaux vertes. Il ne reste plus que le pilier de grenier aux peaux vertes. Parfait. Et moi, j'espère... Men, I will fight with you. No peace, just war. Je vais... 6 tours, mais je pense que je vais attendre... Il y a quand même une forte garnison, je pense que je vais attendre quand même de les... qui perdent du terrain, de l'attrition. J'ai quand même une petite armée, une mini-armée ici qui... qui fait de la... ils font de la... du raid et des hommes bêtes, c'est pareil. Et on passe de tour. J'ai un bâtiment endommagé là qu'on va réparer. Et on peut passer de tour. Donc... mercredi qui va arriver, Total War Warhammer 2 va sortir. Donc nouvelle série, super. Cette nouvelle série en cours, il faut absolument que je termine vite fait l'Empire, parce qu'on va bientôt à la fin. Je vais continuer en parallèle le Croc de l'hiver. Parce que le Croc de l'hiver, il me reste à raser l'Empire et la Bretonie. Alors, ça va être un peu long quand même. Porte-étendard de la Rasgarde, ouais. Et paix négociée par une bataille vampire. Le Moutland est assiégé par les vampires. Ok, accord rompu, technologie. Alors la technologie qui me reste à faire, c'est purger les cultes ténébreux. Et ça me ferait ça. Ah bah il me reste plus que ça à faire après. Atelier d'ingénieur. Et pour ça, il faudrait que j'aie la petite fabrique. Bon déjà, ils ont quoi? Ils ont que ça. On va faire ça. On les rase. On va prendre la tête avec eux. Ciao. Prochaine fois, tu réfléchiras avant de m'attaquer. Ici, je... ouais, ils ont quand même encore... ouais, je vais pas les attaquer. Je vais attendre. Tranquillement. J'ai combien d'argent, c'est ça? Moi, ce qui m'inquiète, ce serait eux qui me déclarent la guerre. Là, on est à fond. Ici, on va attendre encore. Parce que je me méfie des gus qui sont là-haut. Et là, on a ça... ah, toi t'es là. Je voulais faire quoi? Ah oui, alors. Je regarde si j'ai des chevaux. Normalement, je n'ai pas de régiment de chevaux parce qu'on m'a donné un nouveau nom. J'ai que des demi-griffons. Et là, j'ai même pas de cavalerie. J'ai qu'un... Ils sont où? J'ai que ces messieurs pour la garde et je que peux les renommer. C'est parfait. Alors, attendez.
Hop. Alors, on va les appeler. On va donner vos noms d'ailleurs. Je suis même pas sur le. Yonseng m'a encore donné un nouveau nom. Et il faut que j'aille sur la. le truc pour trouver le nom. Ça s'appelle de mémoire. Le soleil fourmoyant. Les soleils fourmoyants, je crois. Qui est une unité de cavalerie. Et là, c'était pas là-dessus, c'est super. Je vais sur la vidéo sur. je trouve la vidéo sur mon ancien mon autre PC et on enchaîne. Ah voilà, c'est bon, je l'ai. Alors, ils vont s'appeler le cœur fourmoyant. Déjà on va faire ça. Cœur flamboyant. Et on peut pas mettre les. Ça serait peut-être bien. Ah si on peut. Les cœurs flamboyants. Ok, on peut pas. Si bon, si bon. Alors. Ce fier régiment de cavalerie s'est lui-même approprié ce surnom à la suite d'un événement tragique durant un des multiples conflits opposant humains et hommes bêtes. Ayant été appelé pour régler un problème de pillage aux environs de Elmarth. Donc Elmarth, c'est vous déjà ça. Elmarth, c'est dans un coin. C'est... Je crois que c'est Elmarth plutôt, non? Bon, je sais plus. Peut-être qu'il y a une autre ville qui s'appelle Elmarth, quelque part. Bah non. Peut-être c'est l'art en fait. Je sais plus où j'en suis. Notre régiment faisait partie d'une troupe de 150 soldats, ignorant alors qu'ils étaient à l'origine de ces dévastations, le sergent chef de la compagnie décida de rejoindre le village le plus proche. Une fois sur place, les soldats établirent le campement et se mirent à interroger les villageois. Cependant, bien qu'ils aient entendu parler des pillages, aucun d'entre eux ne savait qui a massacré leur pauvre ex-voisin. Ce ne fut qu'à nuit tombée qu'ils rencontrèrent leurs opposants. Au contraire, enfin, ils furent plutôt démunis en les voyant arriver avec lance et arc en main. En fait, les hommes bêtes les avaient attaqués durant leur sommeil, éliminant la plupart des villageois avant que la garde ne comprenne. Notre régiment de cavalerie était posté à l'entrée du village. Notre régiment de cavalerie étant posté à l'entrée du village avait subi de lourdes pertes dès le premier échange. Certains étaient tués bien avant de se lever. Les hommes bêtes se trouvant entre eux et leurs chevaux, ces derniers devaient se contenter de combattre à pied et dans le noir, seulement éclairé par le clair de lune. En formant leur rang, ils tinrent tête aux hommes bêtes et les repoussèrent jusqu'à les faire fuir. Bien qu'ils ont subi de lourdes pertes, les cavaliers se mirent en selle et animés par la soif de vengeance, ils poursuivirent les ennemis, tranchant tête, bras, mains et pétinant les cadavres laissés derrière eux. Cependant, encore de nombreux hommes bêtes s'enfuyaient. Alors, pour les exterminer, une bonne fois pour toutes, certains cavaliers retournèrent au village, ramassèrent des torches et commencèrent à brûler la forêt dans laquelle se réfugiaient les pillards. Ces derniers furent obligés de sortir pour ne pas brûler vifs, et là, ils furent massacrés par la cavalerie de l'Empire enragé. À la suite de cette tragique nuit, le régiment décida de prendre le nom des cœurs flamboyants, en mémoire de leurs frères d'armes perdus et à la vengeance qu'ils ont obtenue en brûlant la forêt. On peut facilement reconnaître les membres de cette troupe de cavaliers, car un cœur enflammé peint et peint sur leur bouclier. Voilà pour ce nouveau régiment. Bon, c'était un régiment de cavalerie classique, mais vu que je n'en ai pas, bon, j'ai décidé de les mettre en chevalier de la Risgarde. Voilà, comme ça, ils ont fait des hauts faits d'armes. Et on va passer de tour. Alors, attendez, avant déjà, il faudrait que j'arrive à passer ça. Ah, attendez, ils me disent en école d'ingénieur. Atelier d'ingénieur, on l'a comment? Il y a un bâtiment spécialement pour... Ah, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. 11 000 impôts. Il faut que je passe... 5. Ouais, je pourrais pas le faire pour l'instant. Je ne peux pas le faire.
Bon, j'espère qu'on va s'en sortir. Colonie HG. Sans déconner. Qu'est-ce que tu me cherches, toi? Bon, sérieux, les mecs, ils m'attaquent. Bon, je suis désolé, mais... On va me prendre la tête avec ça. Fuyez, pauvre fou. C'est bon? Non, ça a bugué. Ah non, c'est bon. J'ai cru que ça avait bugué. Alors, on en est où, là? Il reste 4 tours. Mais franchement... Je vais bien attendre l'attrition, hein, parce qu'il y a quand même une masse de feu en France. Et là, j'ai rien à craindre avec ces petits trucs. Toi. Tu vas aller... Tu veux m'éliminer Khazrak déjà. Ce qu'on a déjà fait. Comment ça se passe ici? Ah, Moussillon était rasé. Moussillon c'était aux elfes, je crois. Moussillon au bord de l'eau. Il reste plus que ça aux elfes. Ah, c'est cool. Moi c'est eux là, ils sont en train de refaire des armées, je peux pas me les faire. Là ils sont à Marienburg là avec leur garnison et tout. Et je n'ai pas d'argent. Pourquoi? Ah oui, pourquoi je ne peux pas? Oui, parce que je n'ai pas de... il faudrait que à la place de, par exemple, toi tu vires. C'est que les bretteurs classiques. Il faudrait que j'ai des... Ça coûte cher. Est-ce que j'ai pas des trucs à faire déjà quelque part? Moi ici j'aimerais plutôt mettre un truc d'artillerie. On va rester là. Donc on va faire une unité de... Sigma, grant me strength. Ça coûtait cher. Ou alors... Ouais, on va plutôt faire ça. Est-ce que... Ouais, tant pis. Tant pis. Marienburg, t'en es où toi? Ok, Osland. Greetings, my countrymen. Ils sont en train de descendre, je parie. Moins 6. Je vais perdre mon alliance avec les... J'ai peur que le Osland me déclare la guerre. Alors ça va être problématique. Je suis en train de les assiéger, mais ils s'en foutent totalement. La Bretonnie. Pas de non-agression, ce serait cool. Ok. Défensivement. Ah. Ah, voilà. Un traité de paix, basta. Comme ça, ça me fait manger. Comme ça, j'ai plus à surveiller mes arrières. What brings you to the halls of my answer? My throng stands ready. Principauté frontalière. Do not greet me as a friend, nor are we. Et les peaux vertes. Let's have you then, all you. Allez. Pas de tour. J'aimerais bien régler le compte des vampires dans cet épisode là. Ah, il vient de déclarer les gars. Hmm.
Je vais reculer pour une simple raison. Il faut que je me débarrasse des deux armées. Il faut que je me débarrasse de ces deux armées là. Sinon je peux pas. Voilà, pour HG, je vais m'en défaire. On n'en parle plus. Il y en a un, toi. Mais non, mais je veux pas de la garnison là. Putain. Oh. Chier, ils vont me faire chier longtemps. Hein. Bon, on va reculer. Histoire que j'attende. En plus, j'ai en attrition partout, quoi. C'est horrible. Ouais, parce que là, je perds des unités pour rien. Je préfère reculer. Show me the accused. Je vais me débarrasser de tous ces héros. Sors d'où, toi? Oh merde! Non! Oh merde! D'accord, est-ce que t'as des garnisons, toi? Ouais. Je suis à 17 par tour. Ouh là 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 là. Il va falloir vite, parce que là, j'ai peur qu'il m'achète Pieldorf. Et Pieldorf, qu'est-ce que j'ai comme... Ouais, super. Oh là là là, ils font chier. J'en ai marre. Commencer sérieusement à me les briser. Problème, c'est que bon, je pense qu'on va faire un truc. On va où c'est que je peux débarquer là-dedans là? Non mais je suis d'accord, mais le mec il dit oh, passe par l'eau. Les falaises. Je vais te débarquer là. Praise be to Sigma. Ever onward. Ça sent la mort. Oh, lui, je sens qu'il va me faire chier. Je sens que les hommes bêtes vont m'assiéger la ville là-haut. Faction détruite, peau verte. Bon, ça c'est déjà fait. Kazakh Leborn, nous en... Ouais. Allez, là, c'est bon. Bon, c'est pas grave. Aouh. Ça fait mal tout ça. Mais comment? On va peut-être rentrer. Voilà, parce que... Bon, c'est que du vampire, c'est que... Toi, ouais, c'est ça, tu dégages. Ok. By the Heldenhammer. Si je te fais ça, 66%. T'as raté, c'est normal. On a lui. En fait, je pense que je pourrais le faire. Toi. For the Emperor. Non. Oh, yeah. Bordel. Oh, c'est chiant. Ah, je suis...
Je vais perdre de l'argent. Parce que faut que j'aille me faire lui. Et lui qui me fait chier. Bon, tant pis. Footer de merde. Quoi? Super. Tools of judgment ready. Do not mock me. Est-ce que toi je peux pas t'assassiner là? Magis. Vampire de mes fesses. 37%. The nation calls. Die. Échec total, oh mais sérieux. Te chercher toi et vous, ah ouais d'accord, toi en train de te faire HG toi, c'est super. On a quoi comme garnison là dedans est-ce que si je t'attaque, ah ouais quand même t'arrives pas à... Ok. Merde. Ah, oh, surtout mes 1151. J'ai des murs là-dedans, là. Ah oui, bon. On va pas attaquer dehors, on va attendre qu'ils nous assiègent. Sigma is with us. Ah, bonjour. Non, on parle plus. Non, rase, c'est bon. On fait pas chier. Voilà. Ciao. Moi, j'ai envie d'une bataille. Ah. Émile et Seigneur, 15 octobre. Allez. Pourquoi tu m'as mis à l'envers? Oh oui. Alors, ici, je me fais HG par ça. I am prince and emperor. Coucou, j'arrive. Là-haut, je me fais HG par ça. Et on va déterminer tous ces pigeons. Putain. Bordel, je me rappelle pas. Oh putain, je vais mettre une plombe à refaire mes troupes encore. Qui sont chiants. Bon, faut que je tue leur héros là parce qu'il commence à me saouler. Sévère. Et je me retrouve avec une unité en moins, c'est magnifique. Voilà pourquoi je fais des épéistes, parce qu'ils vont ils se forment très vite, bon ils sont moins forts. Mais les joueurs d'épée, 4 tours, j'ai pas le temps de faire des joueurs d'épée. Hein. Je suis trop occupé sur les fronts. Alors voilà pourquoi, pour l'instant, j'en ai pas. Je l'ai fait vraiment quand je suis dans... Déjà, je suis loin de la région qui en fait. Enfin, j'améliore les bâtiments ou... Eldorf et tout ça qui puisse m'en faire, mais... Il faut de l'argent. Et je n'ai pas assez d'argent pour ça. Allez, magne-toi, là. Ils ont beaucoup de cavalerie par contre. Ils
Super, il pleut. Et on a quoi comme armée là? Là-bas, c'est une masse de cavalerie qui va arriver en renfort. Oh. Ah, c'est ma garnison aussi. C'est voilà que j'ai ma garnison. Où est la frontière ici? Elle est juste là. Oh, dommage qu'on peut pas avoir la colline en entier. Oh, peut-être. Je vais faire un truc ici. Comme ça. Voilà. Offering battle prayers. At once. Voilà. C'est histoire de me mettre un peu en hauteur. Et là, il y a la tour qui va me protéger dans un coin, tranquille. Je pourrais me mettre là, mais en fait, c'est trop le bordel de se former ici, parce qu'il y a la renfort qui va arriver là. Je préfère avoir les renforts et surtout avoir mes renforts. Allez, venez. Ok. Ah. Putain, mais apparaissez dans le bon ordre, bordel. Par là, la cavalerie va tracer. Et arrêtez de marcher, mon sang, courez. Oh merde, il y a la forêt qui me gêne. Oh oh. Ça va pas le faire ça. Ah putain. Oh, attendez. What? C'est quoi cette boule de feu que je me reçois là? Et l'autre il me balance des boules de feu. Si si c'est ça, c'est qui balance des boules de feu? Le sorcier là. Ok, on va se mettre comme ça. Ça va être moins gênant pour nous. Allez, on arrive sur le flanc. Hein. Allez, maniez-vous, bordel, courez.
Et il tire sur mes troupes, c'est magnifique. Voilà, 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 doucement, doucement. Tiens-moi là-dessus plutôt, là-dessus. Ah, zut! C'est quoi ça? Ok, ils sont en train de... Bon, j'en ai marre. Attendez. Ok, parfait. Ok, ok, ok. Là, on a quoi, là? Ok, il y a un projectile. Arrière toute. Cette armée a continué à avancer. Ok, on n'en parle plus de... Non, 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 reculez, 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 qu'est-ce que vous me faites là? Oh punaise. Quelqu'un peut aller les aider? Non, on n'en parle plus. Oh merde! Ils sont sur mes arrières, j'avais pas vu. Oh putain! Ouh la loose. Allez, on avance là, vous me faites quoi là? Ok, ils sont en train de mourir eux. Faut se concentrer là-dessus. S'il vous plaît. We are Sigmar's heirs. Crossbows ready, General. Ok, on est bon. T'es où toi? State troops ready. Tank that machine. Halberdiers. Ok, on va avancer sur leurs arrières. Visez-moi là-dessus, s'il vous plaît. On est où là? Ok, ils ont fui. Parfait. Plus personne dans mes arrières. Toi, tu me vises là-dessus. Et toi là-dessus. C'est bon. Là, 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 s'il te plaît. Ok, c'est en train de plier. C'est bon. Si tu me tires là-dedans, on est dans leur dos. Tu peux arriver en renfort dans leur dos, quoi. Je vais avoir énormément de TK. Bon, c'est bon, ça a plié.
Visez-moi eux là. Halte au feu. Halte au feu. Lui, il faut le tuer là. Leur héros de mes fesses. Ils aiment pas les fusils. Voilà, parfait. Maintenant l'autre. Et lui, il a quoi? Il est mort l'autre? Il est mort. Non, il est là, lui. Quelqu'un peut le tuer, lui. Il perd lentement ses... Ok, la tour... Il y a peut-être un petit problème. Bon. Il aurait pu faire chier. Viens là, traître. Bah oui, j'adore les batteries de tonnerre. Ils ont fait zéro mort. J'ai eu peur à un moment avec la cavalerie dans le dos. Je l'avais pas vu venir. Mais heureusement que c'est que les cavaleries de pistonniers. Un rati. Eh bah merci. Ouh, ils ont perdu beaucoup d'unités. Ils ont perdu leur héros. Ouais, ils ont pas perdu tant que ça. C'est eux là. Il y en a trop encore. Blessings of Sigmar upon you. J'ai peur de le poursuivre et de perdre des unités pour rien. Et le pire c'est qu'il reste un tour pour ça. Non bon, on va pas les poursuivre. Je vais donner point de vie parce que t'as pas l'air très solide quand même. D'ailleurs, faut être level 10 ici. J'aimerais te mettre... Donc Marseille, j'aimerais te le mettre dedans, mais je ne peux pas pour l'instant. Ah non, c'est pour... Ah non, Patriarche, c'est Balthazar qu'il faudrait qu'il y ait. Archidiacre, ce serait... Ouais, ce serait ça. Et pendant ce temps-là, voilà. Mais magnifique. Je pense que je vais faire ça. J'en ai besoin. Et là, bon, on n'a pas peur encore. Voilà, dernier tour et on est marre. On est bon. Si moi je pouvais éliminer deux de ces armées, ça serait tellement... Ah. Ouh. C'est moi, la Bretonnie est venue... Attendez. Qui est en cours. Là, c'est trois unités de partie. Flagellant. Encore. Sigmar be praised.
Qu'est-ce que j'ai perdu? Je lui ai dit... Ah non, ok. Alors, on va faire ça. Ça va lui faire plaisir. Toi, est-ce que tu peux mourir? 36%, ok. Bon, bah... Disons que... Attendez. Marienburg est en guerre contre... Bah non, pourtant. Je crois qu'il a fusionné plutôt les... Il a dû fusionner les troupes, en fait. Valiant Lord. Heinz, enchanteur. Summon the Elector Counts. Ouais, c'est mon prêtre de feu. Enfin, mon magicien de feu. T'es level 22. On va... ça plutôt. I am prince and emperor. Ok. Et lui il se ramène derrière, c'est super. Je vais faire des va-et-vient. Ok. Ça me permet d'avoir quoi ça? De l'argent. Sigma grant me strength. Et la harpe de mort elle est où? Oh, elle est pas loin. Là j'en suis à combien? Est-ce que tu pourras te débrouiller tout seul? Ouais je pense. Warrior of Sigma. C'est les Vark qui me posent problème vraiment, franchement. Je pense que je vais... I will do anything for Sigma. I live to serve the Emperor. Retourner. Là, je me donne de l'attrition partout, c'est magnifique. Hop, je vais me retourner chez moi. Et en attendant, je vais aller... I command here. Pick up the pace. Je suis pas, viens là, viens là, viens là. To war. On va aller se taper du... de l'homme bête, mais ça sera pour le prochain épisode. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas tué l'homme bête. Et bon voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur Warhammer avec l'Empire et bien sûr les Crocs l'hiver. Demain, dans la semaine, on aura Total War Warhammer 2 qui va sortir. Donc, une autre série. Et je vais essayer de finir celle-là. A savoir que celle-là, il me reste plus que les régions à reprendre de l'Empire. Toutes les régions à reprendre de l'Empire et à détruire les vampires. Donc bon. En fait, il faudrait deux armées pour que j'arrive à détruire les armées. Allez, je vous dis à tous une très bonne semaine. Ciao.